Jean-Luc Lemoine animera son premier prime sur C8 le 28 mars prochain. Baptisé « Ici, c'est Lemoine », l'émission marque une nouvelle étape dans l'aventure télé de l'humoriste. Sur le plateau de Morandini Live ce jeudi 22 mars, le chroniqueur de TPMP est venu parler de son projet et revenu sur le scandale des fausses caméras cachées. Présent depuis la deuxième saison auprès de Cyril Hanouna dans l'émission « Touche pas à mon poste », Jean-Luc Lemoine est une figure du programme. La chronique des 4 tiers, qu'il anime chaque mercredi, est plébiscitée par les téléspectateurs et les fans du programme. L'humoriste s'apprête à proposer de nouvelles choses en animant le 28 mars prochain son premier prime sur C8. Baptisé « Ici, c'est Lemoine », celui-ci promet d'être drôle et imprévisible. « Je me suis mis dans la position du spectateur pour savoir ce que j'aimerais voir à la télé, c'est l'émission que je voulais faire », déclare Jean-Luc Lemoine à ce sujet sur le plateau de Morandini Live. Jean-Luc Lemoine évoque l'affaire Greg Guillotine, invité de Jean-Marc Morandini. L'humoriste évoque également le scandale qui touche Greg Guillotine. Le comédien est accusé d'avoir orchestré de fausses caméras cachées en utilisant des acteurs. Il est également pointé du doigt pour avoir plagié d'autres caméras cachées réalisées à l'étranger. Pour Jean-Luc Lemoine, Greg Guillotine a commis « une erreur » en ne disant pas tout de suite la vérité sur les 40 caméras cachées. « Oui, la caméra cachée est une forme d'arnaque », estime-t-il. Pour l'humoriste, c'est en tout cas « tout à l'honneur » de Cyril Hanouna de pardonner à Greg Guillotine. Par Ambre L.